Bonjour à tous et bienvenue sur TV Sèvres et Maine, notre télévision de proximité locale. Et c'est le second numéro pour cette année et pour cette rentrée 2016 des gens d'ici. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Michel Mousset qui va nous parler d'une association dont il est l'animateur, on peut dire ça comme ça. Oui. Entre autres choses, Jean-Michel Mousset qui est aussi chef d'entreprise. Oui. Puisque le CERA qui veut dire le centre d'échange et de rencontre pour l'avenir. Je ne me trompe pas, Jean-Michel Mousset, c'est bien ça. Alors en deux mots, qu'est-ce que c'est que ce CERA? Alors vous dites rencontre, c'est vrai, parce que c'est un lieu de rencontre. Oui. Mais CERA, ça veut dire centre d'échange et de réflexion. Ah, et de réflexion. Pour l'avenir. D'accord. Mais c'est vrai que ce qui est important dans notre association, ce sont nos rencontres. Oui. Nous en organisons 5 chaque année avec des experts de haut niveau. J'ai vu ça. Vous avez reçu Franz-Olivier Gisbert, par exemple. Non, on le reçoit là. Ah, très bien. On le reçoit le 28 octobre aux Atlantes. Oui. Ce sera l'un des grands rendez-vous de cette année 2016. Les Atlantes au Sable d'Olonne. Ouais. Et pour le grand débat de l'année, Franz-Olivier Gisbert et Michel Onfray, qui nous parleront de l'identité, quelle identité pour la France et les Français au XXIe siècle. Alors qu'est-ce qui se passe au cours de ces échanges, au cours de ces réunions? À part l'invité qui est naturellement de qualité, les deux que vous venez de citer particulièrement, mais qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Quelle est la conclusion? Le mieux, ce serait de le demander à nos adhérents, à ceux qui viennent au CERA donc 5 fois par an, le vendredi après-midi, de 14h à 18h, depuis 15 ans, puisque nous fêtons cette année le 15e anniversaire. Le 15e année, qui est aussi l'objet de notre rencontre. Oui, oui. Alors, dans un premier temps, nous écoutons l'expert qui vient nous parler de son expertise, de son expérience, de son parcours, de ce qu'il connaît. Et là, on a des gens très, très divers. Ça va de philosophes à des historiens, des géographes, des sociologues. On peut dire toutes les sciences molles, les sciences sociales, mais aussi les sciences dures. On a des physiciens, on a eu des biologistes, des médecins, des psychologues. Enfin, vous voyez, c'est un peu tous les domaines du savoir. Quelques écrivains également. Oui, aussi. Bah oui, cette année, nous recevons le romancier Laurent Gounel, par exemple. En fait, ce qui nous intéresse, nous, à la base, au départ, puisque l'origine du CERA, ce sont des chefs, des entrepreneurs vendéens qui ont créé cette association, l'idée, c'est de prendre du temps, une après-midi, tous les deux mois, pour lever le nez du guidon. Comme on dit, s'aérer les neurones. Alors, beaucoup d'adhérents, beaucoup d'entrepreneurs dans le CERA? Oui. En nombre? Au départ, déjà, nous avons démarré ça avec une trentaine d'entrepreneurs. Et puis maintenant, nous sommes 150 adhérents, principalement des entrepreneurs, mais au sens large, ce sont les entreprises qui adhèrent. Et donc, à nos rencontres, on a des managers, des cadres, des salariés d'entreprises, mais aussi des professions libérales, des agriculteurs, des artisans, des commerçants, des jeunes aussi, des étudiants, puisqu'à chaque rencontre, nous accueillons gratuitement des jeunes qui sont soit en terminale ou en BTS ou en école d'ingénieur. Mmh. On va revenir d'ailleurs sur cet aspect des jeunes qui fréquentent le CERA. Et je crois qu'il y a aussi, on peut le souligner, d'autres associations qui ont adhéré au CERA. Oui, c'est vrai qu'à l'origine, on a eu cette idée de fédérer, tout au moins de permettre aux associations locales d'entrepreneurs en Vendée, il y en a une quinzaine, de se fédérer, de mutualiser pour pouvoir faire venir en Vendée, ce qui n'est pas évident, ces experts de haut niveau qui la plupart du temps habitent à Paris, voient parfois la province d'un peu loin, il faut leur donner envie de venir passer une journée en Vendée. Et donc on a plus d'arguments quand on est à plusieurs, et c'est pour ça que... Vous défendez un peu la ruralité, si je comprends bien. Oui, absolument. Ouais. Oui, c'est le propre de la Vendée, c'est le pays des entreprises à la campagne. Et ça, on y tient beaucoup à notre modèle de développement économique.
Il faut dire qu'il n'a pas trop mal réussi hein, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça n'a pas Dans trop mal fait. notre bocage vendéen, on est à 5-6% de taux de chômage. Hein. Alors, on va entrer un petit peu dans le domaine économique, puisque c'est aussi et principalement votre parti. Quel est votre avis, Jean-Michel Mousset, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la contribution financière des entreprises, le fameux CFE, qui était là, paraît-il, pour remplacer la taxe professionnelle? Quel est votre avis là-dessus? Alors, moi, d'une manière générale, tout ce qui est taxes, Oui. subventions, alors, bon, là, je parle plutôt pour moi, en mon nom Oui, propre, bien sûr, je ne veux pas oui. engager Non, mes collègues, mais vous êtes aussi mais chef d'entreprise, par oui, conséquent, bah, moi, je vous vais vous êtes dire, en concerné. tant qu'entrepreneur, moi, déjà, ce que j'aimerais, c'est que l'État supprime toutes les aides. Et en contrepartie de ça, nous diminue les charges sociales sur les salaires. Ça, ce serait une bonne décision. Parce que toutes ces subventions, ces aides à droite, à gauche, on y passe un temps fou pour il faut faire des dossiers. Bon, bref. La paperasserie. Ouais, ça, ouais, bon, et on passe son temps à faire ça, c'est ridicule. Nous, on n'a pas besoin de subventions. On a juste besoin d'un environnement favorable. Et ce qu'on demande au pouvoir public, c'est de favoriser cet environnement. Alors, on s'y investit aussi, parce que la vie associative, comme notre association et comme beaucoup d'autres, hein, c'est ce qui caractérise on va dire notre écosystème économique en Vendée, c'est qu'il y a énormément d'associations qui animent la vie locale. Et c'est ça qui permet, parce qu'une entreprise, si elle est au milieu de nulle part, au milieu du désert, Certes, elle ne peut pas oui. vivre. Hein, les salariés ont besoin. Donc tout ça pour dire que ce qui compte pour nous, ce n'est pas les subventions, et ce n'est pas les taxes, évidemment. C'est nous laisser faire Voilà, laissez-les le vivre. maximum de... Voilà, nous laisser la liberté. Et surtout, alors surtout, si j'ai l'occasion de dire ça, j'en profite, c'est moi je milite pour... Il faudrait supprimer le principe de précaution et le remplacer par un principe d'expérimentation. Voilà. Ça, si on avait ça, je vous garantis que le combat contre le chômage en France, il est gagné. Alors, précisons un petit peu plus avant, Jean-Michel Mousset, principe de précaution, par exemple, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui peut... tout ce qui, enfin, principe de précaution, c'est quand vous voulez vous lancer dans quelque chose qui Ouais. n'existe pas. Et qu'il y a des barrières un peu partout. Alors, si on prend, alors, dans tous les domaines, bon, on pense évidemment, la première idée qui vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est le gaz de schiste. Bon, mais ça, c'est un exemple, c'est celui le plus médiatique. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des tas de choses qu'on voudrait faire. Et je pense en particulier dans le domaine social. Vous voyez, les contrats, le contrat de travail, par exemple. Pourquoi aujourd'hui, on voit bien, les entrepreneurs n'embauchent plus en CDI, ils embauchent à tour de bras en CDD ou en intérim. Bah, il faudrait nous donner le droit à expérimenter de nouvelles formes de contrat de travail. C'est Vous ça. voyez? Et puis, bah, si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. Mais au moins qu'on ait le droit d'expérimenter. Aujourd'hui, vous mettez le petit doigt là où il faut pas, bah, tout de suite vous avez l'inspecteur du travail, l'inspecteur des travaux finis, qui vous tombe dessus, quoi. Trop de contrôle, trop de contraintes, c'est un Bah, peu ce que vous oui, dites. et surtout, moi ce que je, enfin c'est oui, c'est des, on a aujourd'hui en France, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il faut le vouloir hein, pour entreprendre en France aujourd'hui. Hein. C'est un parcours du combattant. Bon, je vous parle pas du RSI parce que c'est une catastrophe cette histoire. On va laisser les RSI de côté, Bon. tranquille, finir les vacances des gens du RSI. Bien. Alors, on parle en ce moment on entend ça dans tous les médias, qu'il y a un projet de baisser les taxes d'une certaine façon progressive, c'est-à-dire de 33% en gros, où elles sont aujourd'hui, de les ramener à 28% sur 5 années. Oui, l'impôt sur les sociétés. Oui. Voilà, l'impôt sur les sociétés. Alors, Bon, ça va dans le bon sens. ça va dans le bon Mais on sens. est loin du compte.
On est loin du compte. Parce que je crois que la moyenne européenne est à... 28, je crois, Oui, par là. voilà, donc on Oui, se rapproche de la moyenne européenne. oui. C'est un progrès, mais encore faut-il... Ça, c'est une annonce qui a été faite. C'est une annonce qui a été faite, mais... Comme on dit chez nous, hein, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Voilà, c'est ce Donc, qu'on... on verra. C'est ce qu'on dirait. Donc, on verra. Mais tant mieux, hein, si... Tant Oui. mieux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui, enfin ça, je pense que vos auditeurs le savent, Oui. l'impôt sur le papier, il est à 33%, l'impôt sur les sociétés, Tout à fait. mais les grandes entreprises, comme elles ont des filiales un peu partout dans les pays européens où l'impôt sur les sociétés est plus faible, elles arrivent à avoir un taux final sur l'ensemble des sociétés. Je crois que la moyenne est autour de 15% pour les grandes entreprises. Ce que ne peuvent pas faire les PME, parce que c'est de l'optimisation fiscale, légale, mais Oui. qui nécessite des montages juridiques. Et ça, bon, voilà. Donc aujourd'hui, même si l'IS est à 33%, oui, à 33% pour les PME qui ne peuvent pas se payer des avocats ou des fiscalistes capables de leur faire un montage juridique. Comme le font les grandes sociétés multinationales, qui, elles, ont un taux d'IS moyen qui est de l'ordre de 15%. Je parle des sociétés françaises, C'est là. ça, bien sûr, oui. Donc il y a une inégalité déjà aujourd'hui devant l'impôt sur les sociétés. Bon, est-ce qu'on évoque, au cours de vos réunions du CERA, quelques sujets comme, par exemple, la concurrence? Alors, je m'adresse là au chef d'entreprise qui connaît bien la partie des transports, de la logistique, comme on dit, etc. Il y a pas mal de concurrence avec les collègues espagnols ou les collègues de l'Europe de centre. Comment ça se passe? Parce que là, c'est quand même inquiétant, Ah cette oui. concurrence Mais dans votre alors, spécialité, en là. particulier dans le transport, quand vous regardez Voilà. les statistiques, elles sont absolument catastrophiques. Parce que bon, la France est au cœur de l'Europe. Donc on est un pays de transit, où passent énormément de poids lourds de toute l'Europe. Oui. Mais donc ce trafic qu'on appelle intra-européen, entre les pays européens, il y a 20 ans, le pavillon français en faisait 60%. Bon. Et aujourd'hui, on est à moins de 10%. C'est-à-dire, et donc ça veut, Oui, et la, la courbe, quand elle, la même, courbe, elle est comme ça. Et ça veut dire que là, on y va tout droit, quoi. C'est la disparition du pavillon routier français pour ces trafics intra-européens. Alors même qu'on est les mieux placés géographiquement pour les faire. Mais ça, on aboutit en fait pour le transport routier au même résultat que pour le transport maritime, où le pavillon français a complètement disparu. Aujourd'hui, c'est des pavillons de complaisance, hein, Bahamas et compagnie, qu'on voit sur les bateaux, quoi, sur les ferries, sur les porte-conteneurs, etc. Donc là, il nous reste à nous, transporteurs français, les trafics intérieurs, bon, spécialisés, là où Qui coûte, pardonnez-moi, qui coûte les transports intérieurs? Imaginons Paris, Paris, les Ah bah, Pays de la Loire, et qui on... coûte presque plus cher que Berlin en Allemagne, Oui, avec la et même destination. oui, Hein? et parce que quand ils sont faits avec des chauffeurs des pays, Bien sûr, en question. les pays d'Europe centrale, Oui. où les conditions donc sociales et fiscales sont beaucoup plus avantageuses qu'en France. Donc nous, ce que nous réclamons depuis le début de l'Union européenne, c'est pas compliqué, mais je comprends même pas qu'on l'ait pas fait. C'est dans tous les secteurs pareil, c'est l'harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne. C'est complètement aberrant d'être Mais dans un environnement économique de libre concurrence, de libre circulation, avec une monnaie unique, où les règles ne sont pas les mêmes. Les règles sociales et fiscales sont différentes, donc forcément, les entreprises vont s'installer, et c'est le cas, hein, moi je connais énormément de transporteurs français qui se sont installés dans les pays baltes, en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie. Bon, en Pologne aussi, enfin dans tous ces pays-là, parce que la fiscalité et les charges sociales sont sont moindres, bien bien plus sûr. avantageuses qu'en France. Alors, est-ce que c'est pas à travers de l'Union européenne, justement, de ne pas mettre ça. Oui, mais le Non, je sais problème, pas. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on ne voit rien venir. quel avantage a-t-on, j'allais vous poser la question, à être dans l'Union, en ce qui concerne votre spécialité, à être dans Ah l'Union bah, européenne, en si tant c'est aussi peu harmonieux que ça? En tant que Français aujourd'hui, zéro.
Zéro. Ah C'est bah oui. pas beaucoup. Ah non, non, Hein? on n'a aucun intérêt aujourd'hui, forcément. Mais on a tous nos concurrents sont mieux, ont des conditions d'exploitation plus avantageuses que les nôtres. Non, non. Mais si on allait vers une harmonisation, évidemment que ce serait tout bénéfice pour nous Français, puisque comme là comme dans beaucoup de domaines, on est entre guillemets les meilleurs de la classe Oui. européenne. Donc c'est en France qu'il y a le plus de charges sociales et de charges fiscales, en tout cas dans notre activité de transport, mais je pense dans beaucoup d'autres, c'est la même chose. Et donc si on allait vers une harmonisation, forcément que nous, en France, on y gagnerait. Alors, un sujet, je suppose que vous avez dû débattre au cours de vos réunions du CERA. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, je vous pose quand même la question rapidement. L'Angleterre s'est retirée de l'Union européenne. Quel est votre avis là-dessus? Et l'avis de vos amis et de vos Oui, adhérents du mais CERA? alors, on n'a pas fait de sondage Non, au sein de nos non, non, adhérents, mais vous avez bien mais mis on a eu défaut. effectivement, ben, cette année-là, on a eu Chantal Delsol, une Voilà. philosophe qui est venue nous voir, et elle nous a parlé de. Parce que, alors, c'est intéressant parce que c'est une Européenne convaincue, elle est toujours favorable à une Europe fédérale, vous voyez? Et elle nous a dit qu'elle aurait voté pour le Brexit. Ce Oui, qui de façon à... est complètement paradoxal, Non, pas tellement. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être a-t-elle mais pensé que c'était un mouton noir, les Anglais dans l'Europe, que par conséquent, il valait mieux non, qu'ils s'en aillent. enfin, alors, Non, si non, je c'est pas, pose la non, question. elle nous a pas dit ça. Elle nous a dit Oui. qu'en fait, on avait loupé le train et qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation actuelle et du rejet un peu partout dans les pays européens des peuples pour l'Europe fédérale, qu'elle le regrettait. Parce qu'elle aurait aimé qu'on aille vers une construction d'une Europe fédérale. Mais Oui. aujourd'hui, au point où on en est aujourd'hui, elle dit c'est trop tard aujourd'hui, et donc il faut faire une croix dessus, et il faut attendre. Elle nous a dit c'est peut-être dans 20, dans 30 ans, dans une génération ou deux, que peut-être si on s'en donne les moyens d'ici là pour faire émerger un projet européen, qu'elle appelle de ses voeux. Mais elle dit aujourd'hui, au point où on en est aujourd'hui, Il est il urgent vaut mieux, d'attendre. il vaut même mieux que ça. Oui. Il vaut mieux sortir de l'Union européenne aujourd'hui. C'est ce qu'elle préconise. Elle dit bravo, bravo, mesdames et messieurs les Les Anglais, vous Anglais, avez été courageux de voter le Brexit. ils ont tiré les premiers, comme souvent les Anglais, n'est-ce pas? Exactement. Hein, voilà. C'est ce qu'elle nous a dit. Donc, exit le Brexit. Très bien. Non, non, pas exit le Brexit. Non. Votons le Brexit. Votons, C'est oui, c'est fait. Rassurez-vous, c'est ce fait, qu'elle nous monsieur a dit. Morcet. Bien. Ouais. Tout à l'heure, on a dit que dans vos réunions, vous acceptiez, et même vous invitiez assez souvent la jeunesse, les jeunes, Oui. qui étaient. Donc, Bah oui, parce j'imagine. qu'on parle d'avenir, hein, donc On parle d'avenir, effectivement. l'avenir, c'est les jeunes. C'est plutôt les jeunes, oui. Alors là, donc ça veut dire que vous vous intéressez à la formation et à l'apprentissage, Ah oui, j'imagine. bah oui, bah oui, l'apprentissage, Qui doit être important à vos yeux, hein? c'est la voie royale, Oui. l'apprentissage. Bien sûr. Je comprends d'ailleurs, bah oui, Et par rapport à l'emploi, c'est on n'a peut-être pas en effet compris. Ah oui, moi je dis que c'est la voie royale aujourd'hui Oui. pour trouver un emploi. D'abord pour apprendre un métier, pour commencer. Bien sûr. Parce que pour trouver un emploi, il faut avoir un métier, il faut avoir un savoir-faire, un savoir-être. Oui. Et tout ça s'apprend malheureusement aujourd'hui, ça s'apprend pas à l'école. Bon, alors on peut évidemment améliorer l'école, on y travaille, hein, et c'est pour ça qu'on invite des jeunes, des enseignants, et puis on intervient aussi, hein, nos Ils adhérents, viennent souvent à vos ils invitations, viennent à ils nos... n'éboutent pas du Oui, tout, non, ils non, sont non, 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 ils intéressés. viennent, ils Oui, viennent, ils oui, viennent. Ils viennent, on est en train de construire aujourd'hui un partenariat avec la direction de l'enseignement catholique en Vendée, et dans lequel on propose aux enseignants donc des petits modules à base de vidéos de nos intervenants, de nos experts. On construit des petits modules vidéo pour aider, en fait, c'est des aides pédagogiques pour les enseignants. Et puis, l'idée aussi, c'est de rapprocher évidemment les profs du monde de du l'entreprise, monde de quoi. l'entreprise. Donc, on invite les profs dans nos entreprises. Nous-mêmes, on va dans les lycées, dans les collèges,
Voilà. Mais pour répondre à votre question, l'apprentissage, oui, c'est la voie royale. Donc, il faut mettre le paquet sur l'apprentissage. Moi, personne n'a compris pourquoi, là, sous le quinquennat actuel de Oui. François Hollande, il y a eu enfin, cette taxation de l'apprentissage, quoi, qui a fait que, d'un seul coup, le nombre d'apprentis s'est écroulé en France. C'est vraiment, c'est une catastrophe, ça. En somme, Donc, on pourrait dire que le CERA aussi, c'est une manière d'universiter des entrepreneurs ah vendéens. oui, ça, Hein? Voilà. Le mot ce n'est pas exagéré. terme Ouais, non. d'université nous va bien parce que, Oui. Ouais. comme vous l'avez compris, on fait surtout de la culture générale. Parce que tout ce qui est sujet technique de management d'entreprise, de gestion d'entreprise, on fait pas ça au CERA. Les entreprises, elles ont suffisamment les chambres de commerce et les centres de formation professionnelle pour le faire. Par contre, un lieu comme le nôtre, où justement on parle d'autre chose, on parle du monde, donc comprendre le monde, comprendre ce qui se passe. On est tellement submergé d'informations, hein, et vous en savez quelque chose. L'actualité, c'est tous les jours maintenant avec les chaînes d'actualité Oui. et les chaînes d'information en continu. On est submergé, on ne sait plus trop ce qu'il faut retenir de tout ça. Mais ben, voilà, c'est l'intérêt de venir au CERA, c'est on fait le tri et on détecte grâce à nos experts, on arrive à détecter les signaux faibles. Oui, bien Qui, ça. qui, qui euh, c'est là que ça se passe, quoi. C'est qui sont annonciateurs de l'avenir, de ce qui va nous arriver. Et bah, c'est le but du CERA, c'est de comprendre, échanger, réfléchir, anticiper. On a bien entendu. On faisait allusion tout à l'heure à l'emploi, que l'apprentissage était une des solutions, mais il y en a d'autres, hein, à cette crise de l'emploi. Votre opinion sur cet organisme qu'on appelle justement Pôle emploi, efficace, pas efficace, nécessaire, pas nécessaire, voilà, peut-il être amélioré? Je vois que vous êtes dubitatif, c'est le moins qu'on Oui, puisse je suis dire. très très dubitatif. Oui. Pas très efficace, non. Pas très Alors efficace. après, ça dépend des endroits. Là aussi, c'est une affaire d'homme. Mais alors parfois, on a la chance de tomber sur des directeurs Oui. de Pôle emploi qui, contre vents et marées, contre le système, contre les lourdeurs de cette administration, arrivent à faire quelque chose, bravo à eux, tant mieux. Je les encourage, hein. Mais je me dis, quelle énergie pour si peu de résultats. Je vais quand même vous poser une question. Est-ce que les entrepreneurs jouent le jeu vraiment avec Pôle emploi? Ah, je pense, oui. Oui. Oui, ben on joue le jeu, mais... Je veux dire, est-ce que voilà, il manque Oui, on joue le jeu, bien un sûr. Je pense collaborateur, qu'il y a... est-ce qu'ils appellent Ah oui, systématiquement? je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de boycott de Pôle emploi, mais quand il n'y a pas de résultat, bon, il n'y a pas de résultat, quoi. Pas de résultat. Non, enfin, c'est pas là que... c'est pas la filière aujourd'hui de recrutement d'excellence, hein, Pôle emploi, sinon ça se saurait. Ça fait. Non, je vous dis, par une des filières d'excellence pour le recrutement aujourd'hui, c'est l'apprentissage. C'est Ah oui. l'apprentissage. Nous sommes bien d'accord. Alors, eh bien, on fait beaucoup de choses au CERA. Hein. Conclusion de tout ça, on fait beaucoup de choses. Et on fait Il y un a, livre. et on fait un livre, nous allons en parler. Et les thèmes qui sont abordés sont assez variés, on l'a dit tout à l'heure. Et la prochaine réunion, c'est au mois d'octobre. Alors non, c'est le 16 septembre là. Ah, au Je mois de ne sais pas quand septembre, est-ce qu'est diffusée oui, cette émission. septembre, oui. Avant le 16 Oui, vous septembre. inquiétez pas, elle sera Bon. diffusée avant. Alors bah, rendez-vous le 16 septembre. Hein, et Voilà. pour s'inscrire, il faut aller sur le site internet du CERA. Oui, Vous donnerez les indications à vos auditeurs. bien sûr. Avec Laurent Gounelle, le Voilà. 16 septembre, donc à l'ICAM, École d'ingénieurs à La Roche-sur-Yon. On aura beaucoup de jeunes dans la salle. Laurent Gounelle, c'est un romancier. Vous savez, c'est le Paulo Coelho français. Hein. Oui, Qui a oui. écrit trois romans, on appelle ça des romans initiatiques, qui sont pas, c'est pas simplement une histoire romanesque, c'est aussi un parcours et une leçon de vie. Et le thème, c'est comment
être heureux. Oui. Parce que c'est pas gagné, c'est pas facile le non plus. Le premier livre, son premier livre qui a été un succès planétaire, hein, traduit dans 25 langues, c'est L'homme qui voulait être heureux. Donc on aura ce Laurent Gounelle. Et après, comme on en parlait au début, le 28 octobre, c'est ça, le grand débat avec François-Olivier Gisbert et Michel Onfray sur un sujet qui va être, on en doute, enfin, je pense que tout le monde en est convaincu aujourd'hui, ça va être le sujet central de la prochaine campagne présidentielle. C'est l'identité aujourd'hui. Quelle identité pour la France et les Français au XXIe siècle. Et ça, vous voyez, on est bien dans notre rôle là d'anticiper, puisque ce thème-là, on l'a décidé il y a un an. Alors, les entrepreneurs s'occupent, Vendéens notamment, s'occupent un peu de tout, si j'ai bien compris, de l'identité, de la religion, de l'Europe. Et tenez, puisque vous étiez dans la profession du transport, on ne va pas parler de camions, on va parler d'avions. Quelle est votre position sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Alors, nous avons fait au CERA un colloque sur le sujet. Et alors pour justement éclairer nos adhérents sur la question. Donc, on a donné la parole, c'était pas si fréquent que ça, aux promoteurs du nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes et à ceux qui sont... Et à leurs opposants. Voilà. Alors, mais on a choisi, parmi les opposants, vous voyez, on n'a pas pris les zadistes. Ceux qui occupent le terrain. Ah oui, et qui, à mon avis, ils ont fait plus de mal que de bien. En tout cas, je pense que si les citoyens de Loire-Atlantique ont voté dans les campagnes majoritairement pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, en réalité, ils ont voté contre les zadistes. Vous voyez, ils n'ont pas voté pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ils ont voté contre les zadistes en considérant que c'était inadmissible d'avoir cette zone de non-droit à cet endroit-là. Mais sur le fond, ce qui est apparu de ce débat entre les pour et les contre, enfin moi ce que je retiens en tout cas personnellement, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, c'est que cet aéroport, il n'a pas comment dire, de justification économique. Et je crains que ce soit un vrai gâchis financier. Parce qu'on peut encore, il n'est pas trop tard, il n'est pas dit que cet aéroport se fasse. L'aéroport actuel de Nantes Atlantique, il n'est pas saturé, il est largement dimensionné, à condition évidemment de faire les aménagements nécessaires. Et c'est une chance pour une métropole comme Nantes d'avoir un aéroport pratiquement dans la ville. Aujourd'hui, tous les grands aéroports de ce type-là, ils sont en connexion directe avec l'agglomération. C'est le cas de Genève, de Toulouse. Moi, je crains que cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est à 30 km de l'agglomération, qui est au milieu de nulle part aujourd'hui, c'est en plein milieu des champs, il n'y a pas de route, il n'y a pas de voie ferrée pour y aller. Il y a eu quelques cas comme ça dans l'histoire d'aéroports qu'on a voulu sortir de la ville et puis qui ont été un flop économique retentissant. Excusez-moi, mais je crois avoir compris que c'était voté, quelle que soit l'opinion de chacun, pour cet aéroport, c'est voté, que c'était voté. Alors, ça c'est un autre débat. Mais puisque c'est voté, pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas? Voilà la question. Oui. C'est ça, moi, la question que je vous renvoie un petit peu. Oui, mais ça, moi, c'est pas mon souci. Moi, non, je ne suis pas... Votre avis. Moi, vous savez... c'est le problème des politiques. Une décision a été votée. Oui. Alors, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, si cet aéroport doit se faire, il y a une priorité. C'est de le connecter par la route, par le fer, au reste des réseaux. Ça aurait dû être la priorité. C'est-à-dire qu'avant de faire l'aéroport, il faudrait faire les infrastructures qui vont avec. Or, aujourd'hui, on a un projet d'aéroport, on a zéro projet d'infrastructure. Et nous, Vendéens, pour nous, que l'aéroport s'éloigne... Bien sûr, c'est un problème. Quasiment d'une heure de route, oui. C'est un vrai problème. Parce que si on veut résoudre ce problème, il faut impérativement avoir un nouveau franchissement de la Loire... Évidemment. Sinon,
C'est pas bon du tout pour l'économie vendéenne. Merci Jean-Michel Mousset. Je vais redire que l'avenir, c'est demain. Le titre est de... Il est comme il est. Oui. Hein, l'avenir, c'est demain. Je me dis, c'est une la palissade. Ah, ben oui, c'est exprès, j'imagine. C'est fait exprès. Bon. Alors, l'avenir, c'est demain. 27 propositions pour 2035. On a le temps de se revoir d'ici là. Oui, oui, oui. Et un gros livre, hein, tout de même. Oui, 27, donc, propositions. 27 propositions, c'est-à-dire qu'on a 27 auteurs. Oui, auteurs qui vont venir débattre qui sont venus déjà. Oui. Donc, on a choisi parmi les 80 experts qui sont venus nous voir depuis 15 ans. Vous avez choisi les 27. Bah, on a choisi, on a lancé l'idée, oui. Et puis il y en a 27 qui ont répondu banco, voilà. Parce qu'ils sont bénévoles. Hein. Et donc, qui ont dit, oh, on est d'accord pour écrire un article bénévolement sur chacun sa vision du monde dans 20 ans. En tout cas, votre association, eh bien, elle est importante, puisqu'elle réunit justement tout ce monde dont on vient de parler, la jeunesse, les enseignants, les intellectuels, et puis surtout les chefs d'entreprise de Vendée, et d'ailleurs aussi, parce que vous allez faire des petits tours dans les Deux-Sèvres parfois, là, vous, hein, vous dépassez un peu vos frontières naturelles, on peut dire. Nos frontières naturelles, c'est la Grande Vendée. C'est la Grande Vendée. Donc, c'est effectivement le Poitou, quoi. Comme vous, ah non, c'est pas le Poitou, non, c'est l'Armorique. L'Armorique. Ah, mais bon, je pourrais revenir, si vous voulez, pour savoir si notre avenir est plus du côté du Poitou ou du côté de la Bretagne. Pour moi, il est clairement du côté de la Bretagne, parce qu'on fait partie d'un même ensemble géographique qui est le massif armoricain. Mmh. Bon, bref, c'est un autre... Mais pour vous dire que notre territoire naturel, comme vous dites, c'est la Grande Vendée, c'est-à-dire la Vendée administrative, plus le sud de la Loire-Atlantique, donc ici, bien sûr, le Clisson, le Pays de Ré, Limoges, le Choletais, et le Bressuiret, le nord des Deux-Sèvres, la Gâtine. Mmh. Tout ça, c'est la Grande Vendée. Tout ça, c'est la Grande Vendée. Une chose de plus qu'on apprend grâce au CERA, oui. Grâce à votre association. Un numéro de téléphone tout de même si le sujet vous intéresse. 02 51 66 59 00. Je ne me trompe pas. Ça doit être ça. Oui. Ça doit être et ça. Et surtout un site internet. Et surtout un site internet. Parce que toutes les informations sont sur le site internet. Sur le site internet. www.le-du6-cera.com. Voilà. Merci d'être venu nous voir, Jean-Michel Mousset. C'est moi. Et puis, comme dans la chanson, bah, qui sera, sera. Voilà. Merci à vous et au mois prochain.